Salut à tous, c'est Lini, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la toute nouvelle voiture qui est sortie aujourd'hui. Je rappelle que ce soir nous serons en live à 21h, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour tester le nouveau DLC, les toutes nouvelles missions du nouveau DLC. Donc on rappelle que c'est la partie 2 et aujourd'hui on va tout simplement tester le nouveau véhicule qui est sorti aujourd'hui. Alors c'est pas ça a l'air pas exceptionnel. Est-ce que ça va être le pire véhicule de GTA 5? Parce que rappelez-vous qu'on a eu quand même pas mal de véhicules assez dégueulasses en ce moment. Donc c'est celle-ci, donc la Eudora, donc Eudora, Fabule Eudora, mais pas d'inquiétude, comme disait votre Pradana lors de ses encore avec ses yeux et son haleine. Ok, ouais, apparemment c'est un véhicule qui date des années. Je sais pas c'est quoi comme véhicule exactement, les gars, dans les commentaires. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en véhicule. Alors bon, il est assez... Après bon, c'est vrai que c'est un véhicule à l'ancienne, hein. En vrai de vrai, c'est un véhicule quand même à l'ancienne, de chez l'ancienne. Mais il reste quand même plutôt sympathique, il est quand même beau. Donc voilà, on va faire un petit tour tranquille, les gars. Voilà, il est quand même assez long. Bon, par contre, en termes d'accélération, ça m'a pas l'air d'être quelque chose. Ça me fait penser un petit peu au film... les années 90 et tout, genre je vous jure, sur enfin, des films américains. Mais est-ce qu'il envoie en termes de customisation? Est-ce qu'il va être beau ou pas? Donc voilà, moi je l'ai commandé en jaune. Bon, parce que vous savez très bien comment je commande tout le temps mes véhicules en jaune. Et donc, on est parti pour le customiser. C'est parti, la Eudora véhicule du nouveau DLC qui est sorti aujourd'hui. C'est une grosse cylindrée déjà. Bon, putain, logique, j'ai envie de dire. Logique. Alors, ok, on est parti pour les ailes. Alors, on a aile chromée. On va mettre, je pense, aile chromée, non? Blindage. On va mettre blindage, bah, du coup, amélioré, je pense. Ouais, c'est pas mal. Frein. On va mettre frein de course, forcément. Alors, pare-choc. Pare-choc avant, on a quoi? On a couleur 1, couleur 2, chromée. Ah, on a lowrider. Ok, couleur 2 ou chromé. Alors, est-ce que je pars sur un véhicule tout chromé ou pas? Parce que chromé c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas un truc de fou, quoi. Allez, chromé. Pare-choc arrière, on va mettre le pare-choc arrière. Oh, pas mal, j'aime beaucoup ça. Vintage avec, avec la petite roue là, c'est pas mal, c'est sympa. On a la roue de secours normale, mais vintage, ouais, vintage, en fait, ça, il y a des petites branches en plus, là, un peu, sur le niveau du pare-choc arrière. Ouais, je pense que, ouais, celle-là, c'est pas mal, ça m'a l'air sympathique. Ensuite, les gars, moteur niveau 4, bien évidemment, échappement. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes d'échappement sur ce véhicule? On a échappement double, échappement chromé, échappement latéral petit, échappement latéral grand et latéral... Bah ouais, en fait, double échappement latéral, pardon, double échappement latéral, grand ou petit. Alors ça, je sais pas, c'est double échappement, mais double échappement des deux côtés, je crois, mais on voit pas l'autre côté, du coup. Et là, c'est que d'un côté. On va mettre ça, allez, c'est pas mal, ça, on met le dernier, allez, explosif, on en fout. Calandre. En termes de calandre, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de trucs, en vrai. Années 70, waouh, pas mal celui-là, couleur 1 comme ça. Chromé, après chromé, non, je trouve pas ça ouf en chromé. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Après, ceux-là aussi sont pas mal. Celui-là aussi, il est pas mal. Mais j'aime bien celui-là, tu vois, ça fait vraiment un peu requin, un peu sympa comme ça. Alors, capot. Qu'est-ce qu'on a en termes de capot? Bon, déjà, on n'a pas les capots dégueulasses. Waouh, centrale finition magnifique. Magnifique. Ok, waouh, j'ai une chute d'FPS, what the fuck. Alors les gars, je ne peux pas mettre. Ah si, c'est bon. What the fuck, j'avais un bug bizarre, les gars. Et je pouvais pas mettre. Waouh, trop chelou ce qui s'est passé. Ok, bon, c'est pas grave, on est de retour. Klaxon, on s'en fout. Éclairage phare xénon, kit néon, super néon, on verra pour la couleur après. Motif. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de motifs sur ce véhicule? Ok. Bon, c'est vrai. Waouh, c'est catastrophique les motifs. Oh, taxi. Bon, on va le mettre. Oh, bah c'est bon. Oh, je l'ai trouvé, mais le problème, c'est qu'on peut pas le mettre. On doit débloquer les 10 cascades pendant des missions de taxi. Ah, c'est dommage. Il aurait été vraiment beau en taxi comme ça, les gars. Jaune et taxifié.
Waouh, dommage. Alors, bah écoutez, c'est pas grave, on va partir sur, je pense, celui-là. Ouais, comme ça fait penser un petit peu au taxi. Ok. Ah, pas mal, franchement, pas mal. J'aime bien en taxi. En vrai, j'aime bien en taxi. Prévention, on s'en fout. Rétroviseur. Ah, forcément, les rétros, les gars. Vintage, chromé couleur 1. Rétro de série couleur 2. Est-ce qu'on met les vintage? Ouais, les vintage sont pas mal comme ça, chromé. Ouais, on va faire ça. Plaque, on s'en fout. Parce que bon, on la voit pas du coup. Mais on va quand même mettre jaune sur noir. Peinture. Alors, qu'est-ce qui irait bien sur ce terme de véhicule Camino? Je pense que ça n'irait pas. On va partir sur du métallisé. Ah ouais, mais ces véhicules-là, les gars, c'est. En termes de custom, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, j'ai pensé à un truc, mais je sais pas du tout si ça peut le faire ou pas. J'ai pensé à un truc, je sais pas si ça peut le faire. Genre comme ça. Alors, je vous montre, les gars. Genre comme ça. Comme ça. Je pense qu'on est pas trop mal en vrai. Couleur finition, je pense que je vais rester sur ça, c'est bien comme ça, le noir. Par contre, au niveau du motif, est-ce que je peux améliorer le véhicule ou pas? Ouais, vous voyez, le taxi, ça rend vraiment bien. Ouais, par contre, j'aime bien, j'aime beaucoup le style Los Santos. En fait, noir, ça, c'est pas mal, en fait. Noir, c'est pas mal. Par contre, pas du blanc. En rouge, comme ça, je trouve ça sympa, vraiment, les gars. Franchement, je la trouve magnifique comme ça avec les rayons rouges et tout. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Bon, par contre, du coup, l'éclairage kit néon, on va mettre du rouge forcément pour rappeler le petit côté éclairage, le petit côté motif qu'on a mis. Alors, toi, couleur secondaire, que ça change rien. Accessoire de toi, je pense qu'on va rien mettre du tout. Non, on va rien mettre du tout parce que ça va gâcher le véhicule. Vendre, non, par soleil. Par soleil couleur 2, couleur 1, par soleil. Ouais, suce à la limite. Suspension, oui. Transmission de course, finition. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, chromé dégueulasse. Hein. On va partir sur normal. turbo. Attendez, peut-être que. Finition basse chromé couleur 1. Finition couleur 1, c'est quoi? Non, je vais les mettre normal. Turbo, on met le turbo, les roues. Alors, en termes de roues, je pense que je vais laisser celles de base parce qu'elles sont vraiment, vraiment exceptionnelles, celles de base. On va juste peut-être améliorer les pneus en épreuve de balle. Fumée de pneus, on va mettre bah, du rouge. Ouais, rouge. Et vitre limousine. Ok. Et bien voilà pour ma customisation de voiture. La customisation de, du coup. Waouh, elle est trop belle. Je kiffe. Les gars, n'hésitez pas à noter 10 sur 10 ma customisation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop belle. Je trouve ça fait un peu véhicule de gang, un peu véhicule hardcore, genre mode rocker et tout. Elle est vraiment, vraiment belle. Moi je valide ma custom, les gars. Franchement, je valide ma custom à 100%. Je sais pas vous, les gars, mais moi je la valide à 100% de 100% en fait. Je la valide quoi. En gros, je la valide. Elle est trop belle, je la kiffe. Bon, par contre, en termes de custom, voilà. Le véhicule est beau, mais c'est pas non plus le meilleur véhicule. On n'a pas une accélération de fou. Je vais voir si on peut faire une roue. Ouais, on peut faire une roue. On peut faire une roue, ok. Bon, on peut faire une roue, ouais, c'est pas non plus un truc exceptionnel. On peut faire des roues, mais voilà, c'est pas la custom. Le véhicule qu'il faut acheter. Après, c'est une grosse cylindrée. Hein. Les grosses cylindrées, c'est connu pour ça. C'est connu pour la beauté et pas pour la beauté. C'est un beau véhicule, hein. Franchement, là, comme j'ai mis moi, je le trouve magnifique. Après, c'est à vous de gérer votre véhicule comme vous le souhaitez. Moi, ça va, je le trouve pas mal. Après, c'est pas non plus le meilleur véhicule à acheter en vrai de vrai. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà comment je dis custom moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, on cesse ça dessus. Ciao, ciao.